Hey, salut tout le monde, c'est Tino Panini. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en camface, voilà. Pour ma toute première vidéo en camface, je vais vous présenter tout ce qui contient, donc à peu près ce que j'ai, donc footballistiquement parlant. Par exemple les maillots, les écharpes, voilà, un peu tout ce qui est vêtements de foot, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai beaucoup de maillots, je vous préviens. Attendez, je dégage un petit truc. Attendez. Donc je vous préviens, j'ai la dose de maillot. Donc on peut commencer déjà donc avec le poster qui est juste ici. Donc voilà, de Messi. Après, bon, j'en ai un après de Rames, mais vous ne le voyez pas. Mais on va commencer avec les maillots, les gars, et tout ce qui est vêtements. Donc, le premier. C'est pas un maillot, c'est un survêt. Donc voilà, le survêt de l'OM 2015-2016. Voilà, avec le haut qui va avec, les gars, évidemment. Évidemment. Comment ne pas prendre le haut? Donc voilà, le haut. Donc il a servi pour aller voir cet OM PSG, le dernier. Voilà. On continue avec un autre maillot. Voilà, je commence par les Marseillais, voilà. Donc le troisième, voilà, c'est le maillot de l'OM, normal, et Batshuayi, floqué. Voilà, floqué Batshuayi, un des joueurs que je préfère à l'OM. Vous l'aurez deviné aussi. Donc voilà, on continue avec donc un petit maillot encore de l'OM, le deuxième de cette saison. Donc voilà, Batshuayi encore. Avec le short, bien sûr, bien entendu, il le faut, les gars. Voilà, avec le short. On continue avec un tout petit truc de Marseille, dont je suis fière quand même, c'est peut-être une pièce rare. Voilà, un petit t-shirt de Marseille, normal. Voilà. C'est petit, mais pour une collection, c'est bien. Donc on continue avec un short de mon équipe anglaise préférée. C'est le short de Liverpool, les gars. Liverpool dans le sang. Donc voilà un petit short que je portais, mais vraiment bien avant que je sois fan de Liverpool, donc quand j'étais petit. Le maillot de cette année de Liverpool, ce n'est pas le seul. Floqué de mon joueur préféré de Liverpool, c'est un peu particulier. C'est Sturridge et Skirtel, voilà le défenseur. Le défenseur slovène que je trouve mais énorme dans toutes ses interventions de jeu. On continue les gars avec un maillot du Barça. Du Barça, floqué Luis Suarez. Voilà. Normal. De cette année, bien sûr. On continue avec un très très vieux maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà, un vieux maillot que j'ai trouvé à la foire à tout. Donc voilà, tous les maillots que je trouve en foire à tout, je les achète. Donc comme ça, à chaque fois que je ferai une foire à tout et que je trouverai des maillots, je ferai un petit point un peu sur ce que j'ai trouvé. On continue avec un maillot de la Juventus. Celui de cette année encore. Floqué Paul Pogba. Voilà. On continue avec un collector, les amis, que j'ai pu retrouver dans une foire à tout. Floqué Henry de Arsenal. Donc vraiment très collector, hein. C'est pas un maillot officiel, mais quand même, voilà, vous voyez un peu les cuissons. Les gars, on continue avec un collector. C'est celui-là. Malheureusement, j'avais floqué Valbuena, parce que c'était mon joueur préféré, les gars, je vous le dis. Voilà, c'était vraiment mon joueur préféré, je le kiffais. Malgré qu'il ait fait de la merde en ayant à Lyon. Donc voilà, la Fiorentina que j'ai trouvée aussi en foire à tout. Fiorentina, une belle équipe d'Italie étant donné qu'ils sont quatrième. Et j'en avais profité pour floquer Cuadrado, mais ça s'est effacé malheureusement. Voilà, Go Sport, big up. Hein. Donc voilà, on continue avec un autre collector. Voilà, de Bordeaux les gars. Bordeaux qui n'est pas floqué, que j'ai aussi trouvé en foire à tout. Mais c'est un vrai collector, je vous le dis. Donc voilà, une pièce dont je suis fière aussi. On continue avec encore un collector, les amis.
Et c'est bien sûr un maillot de l'OM. Voilà, blanc. Attends, je vais me reculer. Donc voilà, le blanc neuf de je ne sais plus quelle année. On continue avec une équipe que vous connaissez vraiment peut-être pas. C'est Amiens SCO. Non, Amiens SC, ouais, c'est ça. Amiens SC, donc voilà, c'est une équipe de ma région. Enfin, moi, j'habite en Normandie et eux, ils sont en Picardie. Et voilà, c'est une des meilleures équipes de ces deux régions. Donc voilà, qui m'a été offert par le club. On continue avec un maillot que je portais quand j'étais gardien. Voilà, un maillot à manches longues que j'ai payé 30 euros pour. Voilà, c'est pas grand chose. Voilà, un petit dessin à l'intérieur. Vraiment très très beau, hein, que j'adore, que je porte toujours d'ailleurs. Alors, une des plus importantes pièces de cette collection, c'est le maillot de l'AS Saint-Etienne réellement porté en match. Que j'ai gagné auprès de Mathieu Bonnemer. Et voilà, il l'avait récupéré de Johan Molo, qui l'avait fait gagner, voilà. Molo, voilà, un vrai, comme vous pouvez le voir, le petit badge. Les sponsors officiels, voilà. Là. Voilà, donc une pièce très très importante à mes yeux. On continue avec un maillot 2006 de l'équipe de France. Voilà, dont je suis fière aussi. Parce que c'est quand même une Coupe du Monde emblématique de cette équipe de France. Voilà, on continue avec un autre maillot de l'OM, Floqué Valbuena. Voilà. On continue avec un maillot des New York Red Bulls, une équipe que j'adore. Vraiment parce qu'il y avait Thierry Henry, les gars, je vous le dis. Hein. Mais cette fois-ci, comme il était parti et que je trouvais beau le maillot quand même, et le floquage aussi, j'ai quand même floqué Wright Phillips, voilà, attaquant, 99 avec son frère. Un autre maillot, c'est celui de Swansea, les gars. Swansea, André Ayew. Donc voilà, avec le petit badge qui va bien. Donc voilà, André Ayew. Vous devinez pourquoi je l'ai pris. Le dernier maillot de ma collection, c'est celui de Sturridge, Liverpool. Bon, le floquage s'est encore enlevé, donc je vais aller le refaire floquer, ça me casse les couilles. Voilà. Et on continue donc avec les maillots, les shorts cette fois-ci. Donc le short de la Fiorentina que j'ai eu avec. Le short du premier maillot collector de l'OM que je vous ai montré. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, le short de la Juve, voilà, de cette année aussi, 10, comme Pogba, qui a changé de numéro. Ah oui, le short de l'OM de cette année, voilà, très beau, très belle pièce, je trouve. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, voilà, donc, le short de l'année dernière, saison emblématique de l'OM, voilà, de l'année dernière. Le short de l'équipe de France. Voilà. Donc il me semble que... Ouais, c'est tout ce que j'ai. Donc on va passer... Donc, je disais, on va passer aux écharpes. Donc voilà. Première écharpe, les gars. Encore en foire à tout. Une écharpe de l'OM. Voilà, droit au but. Normal. Une écharpe d'une petite équipe que j'adore, qui est de ma région, voilà. C'est Quevilly-Rouen Métropole, qui va souvent très loin en Coupe de France, enfin qui est pas allé loin cette année en Coupe de France, mais que j'adore, les gars, que... Voilà, j'adore. Donc ça, je l'ai ramené d'Italie. Voilà, la Fiorentina, j'ai vraiment beaucoup de trucs de cette équipe. Voilà. Très, très très belle écharpe. On continue avec la banderole d'un match que je suis allée voir au FC Rouen, Marseille, voilà, parce que voilà, j'habite en Normandie, donc je me devais d'aller le voir, les gars. On continue avec donc le seul truc d'une équipe allemande que j'ai, c'est celui de Schalke 04, voilà, que j'ai payé avec cette trousse également quand je suis allée en Allemagne, et cette petite boîte, voilà.
Voilà, c'est mon équipe préférée en Allemagne. Enfin, je les supporte pas vraiment. J'aime bien aussi Dortmund, malgré qu'ils soient ennemis, mais j'en ai rien à foutre. C'est leur problème, c'est pas les miens. Donc, une écharpe de supporters de l'OM, les Yankees, les gars, que j'ai trouvé également en foire à tout. Très beau. Une équipe, encore, une écharpe très belle des Marseillais trop puissants. Donc voilà, c'est encore un groupe de supporters. Voilà, que j'aime bien aussi, je l'aime bien. Avec les petites couleurs qui vont bien. Et le tout dernier objet de cette collection. Une écharpe avec laquelle j'étais pour aller voir le match entre un club mexicain et le Barça. Donc voilà, le ticket est juste ici. Donc voilà, vous voyez les deux tickets Barça et Rouen. Et celui-là, c'est celui pour aller au PSG, à Marseille, pour aller voir OM-PSG. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans ce cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et à partager pour plus de vidéos. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire ciao tout le monde.